Salut tout le monde, c'est Fuminant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Technocraft. Et aujourd'hui, on va fabriquer des piles. Voilà, tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va fabriquer des piles. Et là, ce que vous entendez en ce moment, c'est la fabrication de mon armure. Alors, les piles. On va en faire, et on va faire beaucoup. Cinq là. Hop, on redistribue. Je fais n'importe quoi. Voilà. Et là, j'ai un doute, je sais plus trop. De toute façon, on va me le dire tout de suite. Hein. Ok, c'est comme ça. Bon, voilà, on a 5 piles. 5 piles qu'on va pouvoir s'empresser de charger. Comment? Il nous faut un chargeur. Comment on crée un chargeur là-dessus? Compresseur électrique, certainement pas. Constructeur de circuit, disque de communication. Ça sert à quoi? Bizarre. Rien qui pourrait éventuellement nous aider. Quoique. Je sais pas comment charger une pile. Peut-être ici, ouais. Oh non, sérieux? C'est méchant ça. Ok, y a plus de charbon. Ok, bah c'est parti alors. Alors déjà, on va rater ça tout de suite. Du coup, on va en faire 3, c'est ça? Bon, voilà, on a du charbon en masse là. Il nous en faut 6. C'est parti alors. Hop là. Du coup, sur les 5 piles qu'on a créées, on en aura plus que 2. Bon, bah, c'était pas prévu, mais c'est fait. J'en avais vraiment besoin de 6. J'en avais besoin de 6. Zut. Bah, du coup, j'aurais plus assez de fer pour faire mon armure. Oh, tout ce qu'on peut faire comme craft, c'est juste hallucinant. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça. Le plastron en acier lourd et tout ça. Enfin, toute l'armure en acier lourd. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Il fait nuit. Mais au moins, il fait beau. Oula. Bon, c'est pas que... J'aime quand il fait noir, mais c'est juste que ça me fait laguer, du coup. Bonjour. Oh. Voilà. Et il m'a pas looté son casque, c'est dommage. C'est moi ou c'est l'Enderman là-bas? Est-ce qu'il me voit? Voilà, d'accord. Bon, écoute, du coup, par contre, là, c'est la bonne vieille épée, hein. Bonjour. Ah bah voilà, ok, une Ender Pearl. C'est déjà ça. Ah bah qu'est-ce que c'est? Il y a du monde autour des quarries. Alors, oula. Une fleur, d'accord, et ensuite ça va être un bug. Oula, pff, il m'a fait peur le creeper. De toute façon, je m'en fous, j'ai one shot. Voilà, ça fait toujours de la poudre de creep supplémentaire, et je pense que ça va être fini de. Oula, j'arrive plus à rentrer. Ça devrait finir de compresser. Ouais, c'est fini. Ok, donc on va continuer notre compression. Bah, du coup, 6 de plus. Hein. Voilà, et pendant ce temps-là, on va créer notre compresseur. Hop, avec des piles vides.
Voilà, donc du coup, ça on le vire. Ok, c'est le bon port. Voilà, et là on charge les piles. Ça sera suffisant pour charger la pile, je pense. Largement. Voilà. On commence à avoir une vraie unité de stockage. Oh, putain. Voilà. Ça s'est résolu comme problème. On va pouvoir dormir. Donc, aujourd'hui, on va mettre des piles. Mais, hey, vous êtes chiant. Hein. Oups. Voilà. Ah, c'est le prix. En fait, il m'attendait à la sortie. Alors, est-ce que ce sera suffisant? Ça n'a pas l'air. Hop là. Et on met l'autre pile du coup. Alors, dans la fusée. Oula! Vache! Non! On pourrait déjà partir sur la lune? Les gens, là, on va s'approcher de du décollage. 100% plein. Alors, déjà, on va. Pas faire de conneries, alors on va descendre de la fusée. Hey, on vole à ma peau, hein. Non, ça marche pas à travers la porte, il me semble. Oh, il y avait une exo-armure. Il l'a pas looté. Merde. C'est tellement stylé. Ok, donc bah c'est plein, du coup, j'ai envie de dire. Ce qu'on va faire, du coup, aujourd'hui, et ben, bah maintenant qu'on a des piles. Oula, bah dis donc, ça produit, là. Il n'y a pas de charbon, pourtant. Ok, direct, quoi, la pile. Il est rempli en auto-entrant en bouffant. C'est mou, ça continue à se charger. C'est chelou ça. Bon, pas grave, hein, j'ai envie de dire. Ok, donc on a j'arrive plus à parler, notre générateur qui est prêt. Il faut que je continue à compresser mon fer, moi. Oula, what? Je vais en avoir 12. 22. J'en aurais pas assez. Ah, ça va être chiant. Hein. Oh, je claque sur mes réserves de fer là. J'en aurais bientôt plus. Hein. Hop, 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 hop. Le casque, on va le ranger ici. On n'utilise plus trop pour l'instant. Le constructeur de circuit, on va pouvoir le reposer là-bas. Il nous sert toujours, hein, de temps en temps. Zut. Ça va être chiant de le placer, chiant. Parfait. Voilà, ça coûte rien, mais au moins il sera alimenté. Du coup, là, ça redescend, forcément. Ah, c'est cool l'animation en fait là. On l'emmènera sûrement dans l'espace avec nous. Alors j'ai une question par contre. Est-ce que si on la prend avec nous, quand on la pose ailleurs, non, ça semble on perd toute l'énergie. Ok. Alors. 21, 22, 23 et 24. Voilà, on va tous les avoir. Je vais quand même remettre un bloc de charbon pour être sûr que j'ai bien remis comme il faut dans le bon sens. Ok, c'est dans le bon sens, et du coup là ça va là. Ok. Avec un bloc de charbon, ça va loin. Hein. On recommence la compression, hop là,
Hop là. Voilà, c'est bon. Et c'est parti, notre armure commence à être créée. Et là, on va peut-être faire des armes aussi. On se prépare. Le M21, on a déjà un M21. Là, je vais refaire un test avec le proto-titan. Qui, je pense que maintenant, marche. En fait, la dernière fois, il marchait pas, peut-être à cause des bugs de mode et tout ça. Déjà, quand dedans, il bug pas. On peut toujours pas se déplacer avec, hein. C'est quand même bizarre. Par contre, là, on voit en dessous, ça se déplace. C'est juste pour se déplacer. Alors, je vais pas vous embêter à nouveau, mais faut que je re-regarde tout ça. Ouais, non, en fait, je regarderai ça en dehors de la vidéo, sinon ça va être trop chiant. Et ce truc, c'est trop moche. Ok. Du coup, et ben, il nous faut encore notre système d'oxygène. Tout notre système d'oxygène. Voilà, il nous faut remplir les bonbonnes. Et pour remplir les bonbonnes, bah, il nous faudra faire des machines. Alors, je vous ai déjà montré ça la dernière fois, et bon. Alors, il nous faut le collecteur et le compresseur. Le compresseur devrait pas être trop compliqué. C'est juste beaucoup de compression. Par contre, le collecteur, pardon, ça va être chiant. On va avoir du craft. Ouais, voilà, encore du craft circuit, de la compression. Et oui, encore beaucoup de compression dans tous les sens du craft, ça va être chiant. Et je ferai hors caméra. De sorte que la prochaine vidéo sortira peut-être un peu plus tard, mais... Vache. Elle sortira peut-être un peu plus tard, mais... Comment dire? Mais je pense que quand on va sortir le prochain épisode sortira, on pourra aller sur la Lune, enfin. Quoique. Bon, attends, je vais quand même faire dans ce cas avec vous autant que possible dans cet épisode. Faire les petits crafts inutiles, mais sympas à faire. Le drapeau. On va faire un drapeau. Oh, je le vois pas. Ça me gonfle. Ah, si, là. À peine apercevable. Il nous faut des bâts en acier. Il nous faut de la toile. La toile, je sais comment la crafter. Je vous rappelle que c'est comme ça. Hein. Mais ça. Oh non, mais s'il vous plaît, mais arrêtez avec ça, quoi. Là, c'est compressé, mais j'en ai marre. Hop là. On va pouvoir commencer à se crafter notre petite armure. Voilà. Voilà. Voilà, on va commencer à avoir une vraie armure. Par contre, du coup, on voit encore mon visage, ça c'est chiant. Voilà, l'armure en fer à la poubelle. Je me serais-je trompé en calculant? 4, 5, 6, 7. Il m'en faut bien 7 là encore pour faire le pantalon. Je dis pas de bêtises. Par contre, je suis vraiment très moche. Entre cette espèce de code d'armure toute moche. C'est vraiment atroce. Mais bon, on s'en fout. On n'est pas là pour la beauté. On est là pour aller dans l'espace. Hein. Il faut avouer que je ressemble plus à rien. Ok, c'est parti. Hop là, et là. Boum! Oh, et en plus, ça protège autant qu'une armure en diamant. Ok, nous avons donc une armure en diamant. Grise. Très belle, voilà, c'est de la compression. En fait, on a recyclé une fusée, on l'a mis dessus, voilà, c'est fait. Je tourne en rond, du coup. Merde, on tourne en rond. Encore de la compression, on en chie de la compression, là, ça me saoule. Voilà. On va faire des armes à feu. Ouais, on va faire des armes à feu. Alors, de la poudre à canon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Le scorpion. Il m'intéresse le scorpion, je le veux.
Non, arrêtez là. On va arrêter immédiatement. Alors déjà, où est ma hache? Elle est là. Il me faut du fer. J'en manque pas, j'en ai là. Non, j'en ai pile assez pour faire un chargeur. J'ai de la poudre à canon. Il me manque juste des bûches. Je vais prendre un peu plus de lingots de fer. Ok. C'est parti. Voilà, on va couper du bois. Il faudra peut-être emmener des arbres sur la lune si je vais pouvoir optimiser mon système d'oxygénation. Parce que on peut planter des arbres sur la lune, et ces arbres nous apportent de l'oxygène. Oxygène qu'on peut récupérer avec l'oxygène collector. C'est vraiment n'importe nawak, hein. Juste pour me barrer, c'est quoi la pointe? On la voit plus. D'accord, nous avons donc des fleurs. On a toujours une production, beaucoup de ressources, beaucoup de cobble surtout en fait. Alors, ah, mais c'est sympa tout ce qu'on a ici. Voilà, ne pas oublier de regarder dans le entonnoir. Rien d'intéressant, rien d'intéressant. On continue notre trajet. Ah oui, c'est parce que j'ai piqué la batterie d'énergie, du coup ça fonctionne plus. Enfin, je crois que c'est pour ça. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est pour ça. Du coup, au-dessus, il n'y a rien. Je vérifie par moi parce que je suis un peu bigleux et que 2-3 pixels sont modifiés. Je les vois pas très bien, souvent. Alors, de la cobble, de la cobble, de la cobble, du lapis. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai plus besoin de miner, hein? Je pense que ça se comprend quand on voit les loots. D'accord, il y a un squelette qui a dû se casser la gueule là-dedans. Ah voilà, je loupe des trucs. Le gravier, on s'en fout. Et du coup... Il faudrait que j'aille voir pourquoi ça marche plus. Prochain épisode. Oh, la belle lune, tout ça. J'ai plus à manger par contre. Ouais, ça par contre, ça va devenir problématique. On va commencer à manquer de nourriture. C'est l'occasion d'ailleurs de regarder, ah, avec vous, les différents types de nourriture qui existent. Alors, comment se craft ce genre de bêtises? Pommes de terre. Pommes déshydratées. On a des pommes, je crois bien. Carottes déshydratées. Ouais, je crois bien qu'on a des pommes. Je sais plus ce que je vais faire avec ce fer. Assis-le. Le comprimé, voilà. Par contre, le charbon, je suis obligé de le mettre en bloc là parce que c'est la merde. Voilà. Non, ça je le garde. Pas être con. Alors, nous allons donc avoir notre scorpion. Hop. Hop. Voilà, deuxième arme à feu. Hop, ça en range. Ça en range ici aussi, ouais, pourquoi pas. Ça ici. Ça là. Je vais peut-être commencer à la mettre en bloc aussi, la redstone. Cette richesse, c'est n'importe quoi. Ben voilà, hein. Sur les 9 premiers épisodes environ, les 8 premiers plutôt, j'en aurais chié, puis après j'ai fait une grosse coupure où j'ai arrêté de filmer. J'en ai profité pour faire du farm dans les mines, hein. J'ai fait des mines opti, tout ça. Je suis parti loin, j'ai trouvé du diamant, j'en ai profité pour faire des quarries. Une fois que c'est fait, bah c'est fait, hein. Voilà, plus de problème. J'ai rangé ma ficelle comme une andouille. Voilà. Ficelle qui normalement ne devrait pas trop nous servir sur la lune. Hein. Par contre, on manque de nourriture. Oh, mais vache, on a balle de nourriture en fait. Voilà. Par contre, je sais pas si on a balle de canette. On n'en a même aucune en fait. Alors,
l'étain, voilà. Combien peut on en faire comme ça? Deux, et ben on va en faire quatre, voilà. Voilà. Comme ça, vous saurez comment on craft ce type de truc. On va quand même tester le scorpion dehors, hein, parce que sinon, ça, c'est pas drôle. Alors. Alors, ici, on a carrément plus de charbon. Ok. Alors, hop. Oula, j'ai perdu mon charbon. Ok, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec cet acier comprimé? Oui, un bar. Le mec a des trous de mémoire à la chaîne là. Alors voilà, nous avons enfin ce que je voulais. Des mains en acier. Alors il faut nous crafter du canvas. Je pense que ça va être du tissu qui va pas pouvoir se déchirer ou un truc dans le genre. Et on a des ficelles, mais largement insuffisamment. Je pense aussi qu'on a plus besoin de sticks. Alors, il est vide? Ok, il est vide. Voilà, ça c'est fait. Ah, ça fait moins de bruit, c'est cool. Par contre, là, je vais. C'est clairement moins efficace, quoi. Un chargeur, c'est 7 monstres tués environ. Là, c'est plutôt. Peut-être parce qu'il faut être plus doux sur la détente. Par contre, c'est pas ça que je veux tuer. Voilà, c'est des araignées. Voilà. Bonjour, je ne. Te fais aucun mal. Toi non plus. Ok, il n'y a pas d'araignée dans le coin, pas grave, je farmerai mon côté. Et du coup, vous aurez le drapeau en surprise, mais bon. Voilà. Voilà, encore. Encore, voilà. Oh! Des bottes françaises du GGN avec épine 1. Re les gens, je suis désolé, j'ai fait une combinaison de touches qui n'était pas voulu sans faire exprès. Et donc on va poser ça ici, ça là. Du coup bah on verra ça plus tard. Pour l'instant on range les ressources, on range le bordel. Et du coup je pense qu'on va se dire à la prochaine, voilà. La prochaine fois on sera bon, on sera ok, j'aurai les machines, j'aurai les bouteilles d'oxygène. Donc je vais quand même vous montrer comment on fait pour avoir. Alors ça on le fera pas parce que ça sert à rien, surtout que c'est. Ah, s'il m'en reste un, pourquoi pas. Je verrai. Ici. Il faudra juste que je répare mon casque. Que je mette des vitres. C'est même pas du verre. Hein. Des vitres, voilà, pour mon casque. Il faudra aussi que j'ai un parachute. Je prendrai le parachute Flance parce que il est moins cher. Ah, mais aussi, je me suis renseigné. Le parachute de Galacticraft, il est réutilisable. Alors que celui de Flance, non. Donc, je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment étrange. Ah, voilà. Donc le parachute qui se crafte comme ça avec de la toile. Encore, c'est pas du canvas. J'ai dû confondre avec autre chose. Bref. En acier. Qu'est-ce que je disais alors? Je racontais de la merde tout à l'heure. Donc la toile, ouais. Faudra peut-être ça, parce que je risque de faire beaucoup d'allers-retours, tout ça. Surtout en. Pas en vidéo, en hors-cab. Pour faire des allers-retours, chercher des machines, peut-être des ressources pour me crafter des trucs. Voilà, je vais faire beaucoup d'allers-retours. Parce que je compte m'installer durablement sur la planète. Et donc, faut que je finisse de vous montrer les crafts quand même. Le problème, c'est que je le trouve pas. Alors, il est où? Deux tuyaux. Eh, sérieusement, c'est chiant là. Faut quand même pas que je fasse une ellipse quand même, c'est impitoyable.
Bon, c'est une ellipse, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Ok, re les gens, c'est pitoyable et c'est l'épisode le plus long du monde. Ok, donc voilà, c'est ça. Des tuyaux en oxygène qui se craftent comme ça, des vitres tout simplement. Mais il manque du sable, faudrait que j'aille dans le désert d'à côté. Qui est pas à côté, justement. Voilà, c'est la merde. Et... Putain, encore du craft, mais à l'infini, quoi. Les gens, j'en ai marre. Je remets mon shaders pour la fin. Et on se dit... À la prochaine, on enlève cette astrocité, voilà. C'était Filminon. Allez, ciao, ciao.